Alors, aujourd'hui, les chansons posthumes de Georges Brassens, La maîtresse d'école. N'oubliez pas que offrir une chanson à quelqu'un que vous aimez bien, c'est forcément lui faire un grand plaisir. À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps, bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lavés, des cancres, des crétins crasseux, en travaillant exclusivement que pour nous. Le marchand de bonnet d'âne était sur les genoux, était sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes avancées. Au premier de la classe, elle promit un baiser pour de bon, un baiser libertin, un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière n'eut plus jamais un chat, et les pauvres marchands de bonnet d'âne ne craquent qu'on ira tout à coup la faillité, le crack, la faillité, le crack. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous dit le résultat, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellents sex échos, d'excellents sex échos. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de ses beaux résultats, on chassa pour toujours notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition. Le fort en thème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe sec, écho de la classe sec, écho. À l'école, nous avons appris l'ABC. La maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut doux le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur nous. Notre classe régna sur notre classe. Offrez les chansons.